Oh non, Anton. Oh. Il reste plus de céréales. Bonjour, ma chère petite maman adorée, tu as bien dormi? Bonjour, ma chère petite maman adorée, tu as bien dormi? Je mange quoi? Il n'y a plus de céréales. Je descends, ma chérie. Donne à manger au chien en attendant. Oh, je l'ai fait hier, c'est au tour de Lucie pour toi. Allez, dépêche. Oh, si j'étais pas là, tu crèverais de faim dans cette baraque. Oh. Personne ne te demande d'être la première partout. Un peu mieux que 5 en anglais, c'est pas trop exigé, non? Je sais, oui, mais si papa m'avait un peu aidé. Nous savons très bien, toi et moi, que l'on ne peut jamais compter sur lui. Alors arrête un peu de t'en servir comme excuse. L'échec scolaire guette tous les enfants de parents divorcés. J'ai d'excellentes notes. Normal, t'es une arriviste. Je t'aiderai pour ton prochain devoir. Toi, tu m'aideras en anglais. Tu le connais suffisamment? Yes, as far as possible, honey. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est exactement pour ça que tu dois bosser. C'est bon, on peut y aller maintenant. Quand vous voulez, les filles, vous êtes prêtes? Oui, depuis des heures. Alors, on y va. Allez, Lucie, dépêche-toi un peu. Allez, tu t'y prends toujours au dernier moment. Tiens, Anton. Hop. C'est bien, mon chien. C'est bon, tu as pris ton survêt? Alors, dépêche-toi, ma chérie. Qu'avez-vous à me suggérer de bon aujourd'hui? Un instant, je m'occupe de vous tout de suite. Bon, voilà. Le porc est la seule chose que je n'aime pas. Il y a au menu aujourd'hui du filet de bar au curry, ça vous dit? Ah oui, je ne suis pas très fan de bar au curry. Alors prenez plutôt du poulet allégro doux. Ah, c'est que le poulet me donne toujours des aigreurs. Je n'y peux rien. Et je sais, à moi aussi, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Du tofu chop choy. Un plat garanti végétarien. C'est gentil, seulement je ne suis pas végétarien. Nobody is perfect. Monsieur, à vous, je vous écoute. Un poulet sauce curry, s'il vous plaît. Un instant, je vous prie, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui? C'est arrivé quand? Oui, je serai là dans 20 minutes, pas plus. Oui, d'accord, merci. Les règles sont également valables pour vous, madame Seidel. Je sais, mais je dois y aller, monsieur. J'ai une urgence. Et tu me remplaces, Sylvie? C'est insensé, vous ne comptez pas partir. Je suis désolée, mais ma fille vient de se blesser à l'école. Je n'ai pas le choix, je dois aller la chercher. C'est réellement insensé. Torture d'animaux, des milliers disparaissent chaque année. Effacez-moi ça. Arrête, Robert, ça m'est totalement égal. Ce sont tes filles à toi aussi. Avance-toi, oh, c'est pas vrai. Débrouille-toi. Oui, bien sûr, et comme toujours, en réalité, tu es en train de faire une partie de golf. Hein? Non, je suis seulement réaliste. Espèce de con. De toute façon, oui. Écoute, c'est au 18 rue Séverin. Docteur Varinger, je t'en prie, sois au moins là quand j'ai besoin de toi pour une fois. J'ai moi aussi un travail, je te rappelle. Alors ça signifie que tu peux t'en charger après l'école? Très bien, c'est gentil. Excusez, vous pouvez vous asseoir ici. Non, ça ira, c'est gentil. Bonjour, je m'appelle Émilie. Bonjour. Et moi, Félix. Ça te fait mal? Je suis tombée de la poutre pendant le cours de gym. Vous regardez bizarrement ma mère. Pourquoi ça? Parce que vous la trouvez belle? Je t'en prie, chérie. Tu penses que je la regarde avec trop d'insistance? Mm-hmm. Oui, j'ai l'impression que oui. Ah. Garde-le pour toi, c'est un secret. N'écoutez pas les sottises qu'elle peut raconter, ma fille se mêle de tout. Vous inquiétez pas, faut avouer qu'elle a l'œil. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait encore? Comment c'est arrivé? Allez, montre-moi ce pied, ma chérie. Ah! Oh, excuse-moi, Robert, fais un peu attention. Et ne t'inquiète pas, c'est inutile de paniquer. J'ai tout laissé tomber dès que j'ai appris ton accident. J'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Tu préfères que je vous laisse? Ça t'arrangerait bien.
Mademoiselle Seidel, s'il vous plaît. Allez, hop. Monsieur Mikkels. Monsieur Mikkels. Vous allez devoir patienter un peu, mais le docteur vous recevra bientôt, dès qu'il aura fini avec cette urgence. Se passer. Mm-hmm. Alors, salut, je m'en vais. Tu plaisantes? Tu as dit que tu la prendrais en charge cet après-midi? Non, tu as mal compris. J'ai un rendez-vous, c'est impossible. Je t'en prie, Robert, il faut que je retourne au restaurant. C'est totalement impossible. Oh, ma chérie, bon rétablissement, je t'aime. C'est moi, Bjorn. Il faut vraiment que je pense à faire réparer cette serrure. Je suis pas en avance. Je suis désolé de rentrer aussi tard. C'est que ça sent bon ici. Salut. Elles étaient encore al dente il y a 2 minutes. Si j'avais pas attendu chez le toubib, j'aurais été à l'heure. Pourquoi est-ce que je fais encore à manger alors que tu ne rentres jamais à l'heure? Il faut que je passe un coup de fil. Je reviens tout de suite. Mange. Voilà, tiens, Trésor, ton chocolat. Alors? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis passé prendre des nouvelles. C'est un peu tard maintenant, nous n'avons plus besoin de toi. Alors, ma chérie, tu as encore mal? Oui, encore. J'ai pas eu le choix, désolé. C'est toujours la même histoire quand il faut que tu les gardes. Pas du tout, tu te trompes, je m'occupe d'elles du mieux que je peux. Oh oui, tu les gaves de glace et de soda un week-end sur deux, et dès qu'elles ont une indigestion, tu les ramènes tranquillement ici. Tu sais ce que c'est ton problème, Astrid? Oui, toi. Maman, donne-moi mon cacao. On dit s'il te plaît. C'est toujours comme ça. Il te faut absolument un bouc émissaire, tu veux tout faire toute seule, et si t'y arrives pas, c'est toujours la faute des autres. Bien sûr, oui, c'est moi qui ai fait le choix de m'occuper de nos deux enfants, et je ne travaille que pour éviter de m'ennuyer. Tiens, un peu de sucre. Vas-y, allez. Je m'en sortirai si au moins tu payais la pension alimentaire. Je te l'ai toujours versé jusqu'à présent. Oui, mais il n'a suffi que de 5 semaines pour que tu oublies de faire ton virement. Une pension alimentaire doit être versée régulièrement. Pourquoi me fait-elle supporter sa mauvaise humeur permanente? Salut ma chérie, prends bien soin de toi. Je vous laisse tranquille. Oh oui, merci. Va donc voir ta Brigitte. Marley. Va te consoler dans le silicone et oublie-nous, tu veux? En ce qui concerne Marley, ma chère, tous les seins fermes et rebondis ne sont pas forcément en silicone. Maman, c'est quoi le silicone? Un produit pour raffermir certaines choses. Pourriez-vous me donner son adresse? Oui, je sais. Mais est-ce que le docteur est encore dans les parages? Ah, quelle chance. Alors, soyez gentil, demandez-lui. Son sac de sport doit sûrement lui manquer. Oui, je patiente. Ça y est. Ça a l'air délicieux. Combien de petites pilules t'as vendues? Aucune. Depuis des semaines. Si notre système de santé ne change pas très vite, les médecins n'auront plus que le paracétamol pour soigner le cancer. Oui, mais si tu continues à te battre tout seul comme tu le fais pour changer les choses, tu finiras par y laisser peut-être la santé. Bjorn, il faut que je gagne ma vie. Tu sais bien que nous sommes criblés de dettes pour l'instant. Je dois les rembourser. Oui, je sais. T'as rendez-vous quand à ta banque? Demain. Je voudrais que tu m'accompagnes. D'accord. Génial. De
donne-moi 6 petits mois et il me nomme à la tête de la filiale. Tous ces messieurs seront à ma botte. Félicitations. Oui, et maintenant, oublie Robert. Une fois le divorce prononcé, tu seras débarrassé de lui et une nouvelle vie commencera. Je crois que j'ai fait une bêtise aujourd'hui. Ça m'étonnerait pas que le restaurant me licencie. J'ai quitté mon travail subitement, comme ça, sans prévenir. Je suis furieuse contre moi. Robert a le chic pour me pousser à sortir de mes gonds. C'est dingue, ça. Tu as besoin d'un bon amant. Bien sûr, et lequel de ces saligots là-dehors, tu me conseilles? Non, si tu le demandes, je vais te le dire. Je crois que le gros sur le trottoir là-bas ferait l'affaire. Non, je suis sérieuse. Tu dois te faire plaisir, je t'assure, ou tu finiras aigri. Nous n'avons qu'une vie. Essaie d'en profiter un peu au lieu de te cloîtrer. C'est pas ma vie, je suis loin d'avoir choisi. À moins que tu trouves que j'ai besoin d'un bouc émissaire en permanence, toi aussi. Ce n'est pas du tout ce que je dirais. Tu dirais quoi? Plutôt que t'occuper des autres sans arrêt, occupe-toi de toi. Que s'est-il passé, Lucie? Rien du tout. J'ai le droit de me venger sur le chocolat. Je suis déjà énorme, paraît-il. Je crois que je ferais mieux de rentrer. Mm-hmm. Tu veux que je joue pour toi demain? Ah oui, ça m'évitera le détour, merci. Bonne soirée. Il y a encore, Monsieur McGills, de lourdes hypothèques sur votre maison. Et vous savez aussi bien que moi que vous n'avez pas avancé d'un pouce dans l'amortissement de vos dettes ces derniers mois. Ce qui veut dire exactement? Que nous ne pourrons éviter la vente aux enchères de votre maison, Monsieur McGills. À moins que vous déposiez sur votre compte 350 000 euros avant la fin de la semaine prochaine. Rien que ça, vous imaginez? Je suis vraiment désolé, Monsieur McGills, mais vous n'avez plus le choix. Notre comité de direction est, disons, sérieusement nerveux depuis quelque temps. Vous ne comptez tout de même pas nous jeter à la rue comme ça? Pour nous, cette maison compte beaucoup, ce n'est pas... Qu'un toit et 4 murs, c'est l'endroit où a vécu sa mère. Je suis navré, Monsieur McGills. Mais depuis que vous n'avez plus qu'un seul revenu, rembourser votre crédit est devenu impossible. Ça arrive parfois, malheureusement, après le décès d'un des conjoints. Bonjour. Bonjour, mes cigarettes. Voilà. Je voudrais en plus jouer sur l'auto. Ah, tu le feras valider là-bas en payant tes achats. Ok. Salut. Une grappa, s'il te plaît. Et un double expresso. Oui, je l'ai compté, vous pouvez ranger. 3,70 le journal, ce qui fait 7,90 en tout. Voilà votre monnaie. Merci. Au revoir. Mickiel, c'est l'appareil. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour. Je voudrais un rendez-vous avec Madame Tina Berger, s'il vous plaît. Oui, un petit instant. Je regarde. Ne quittez pas. Je patiente, merci. Oui, allô? Ah, Docteur Beyer. Bonjour, comment allez-vous? Non, les billets d'avion sont réservés, bien sûr, oui. Néo, vous oubliez votre journal! Mais non, laissez-moi au moins vous expliquer. Hier, c'était un cas d'urgence. Désolée, mais je vous licencie, Madame Zaïd. Vous n'avez pas le droit de me virer pour ça. Je comptais revenir demain. Eh bien, ce n'est plus la peine. Oui, d'accord, merci de votre compréhension. Quel salaud! Oh, tu sais que c'est mal élevé. Ah, enfin! Seulement un instant. Mêle-toi tes oignons, grosse nouille. Sale boutonneuse! Je parle pas au bébé de ton âge. Arrêtez, ça commence à bien faire. J'ai trop serré la bande, c'est ça? Il va t'appeler, tu crois? Qui ça? Félix, l'homme de chez le médecin. J'ai d'autres préoccupations en tête, je t'assure. Ce sac de sport a atterri chez moi par erreur. Il a dû fuguer en douce. Oh. N'ayez pas peur, il ne vous fera rien. J'espère qu'il en est convaincu. Vous avez peur des chiens? Je crois plutôt que c'est eux qui ne m'aiment pas trop. Il n'est pas de votre avis, j'ai l'impression. Oui. Tenez. Oui, c'est gentil, merci.
Ça ne vous a pas causé trop de problèmes, j'espère. Non, n'ayez crainte. Ça a vraiment été un plaisir. Oh, mais où ai-je la tête? Vous désirez un café? Non, c'est gentil. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un rendez-vous, je dois partir. D'accord. Merci, au revoir. Salut. Salut. Je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous, je dois partir. Imbécile heureux, abruti crête. C'est très gentil de l'avoir apporté. Oui, chérie. Tu veux un cacao? D'accord. Allez. Oh, bravo. J'ai l'impression que c'est pas ton jour aujourd'hui. Tu peux me prêter 350 000 euros, Carlos? 35 euros seulement, j'ai pas un sou de plus en poche. C'est pas ça qui m'aidera à m'en sortir. Félix, tu dois absolument arrêter de t'apitoyer sur toi-même en permanence. Ah, merci, t'es un vrai pote. Ouais. Et y a que devant les amis qu'on peut penser à haute voix. Je pouvais aussi avec ma femme. Dis-moi, depuis combien de temps est-ce que ta femme est décédée? Depuis 2 ans, 3 mois et 8 jours aujourd'hui. Et les secondes, tu les comptes pas? Tu penses pas que tu t'enterres depuis trop longtemps maintenant, dis-moi? N'arrête pas, mon vieux, j'ai 12 rendez-vous par jour avec 12 clients différents, sans parler des consultations. T'appelles ça s'enterrer? Clients, toujours les clients, ils ont bon dos. C'est de toi que je parlais. Ton boulot te sert de soupape de sécurité, c'est franchement malheureux. Allez, viens, je t'offre un verre. Depuis quand t'es généreux? Depuis que je gagnerai peut-être au loto. Ah. C'est nouveau, depuis quand tu joues? Nicole, est-ce qu'on peut boire un petit verre? Je suis vraiment désolée. Je sais pas comment j'ai fait, mais ton ticket de loto a complètement disparu. T'es furieuse contre moi? Ah, oh, mais non, c'est rien. Je gagne jamais, de toute façon. Je coche les mêmes numéros depuis des années, mais ils sortent jamais. Je viens de passer une sale journée. Plus de boulot, plus de ticket de loto, à ma santé. Tu sais quoi? Je suis certaine que tu trouveras un meilleur job. Je suis prête à mettre ma main à couper. Comment va Bjorn? Bien, il a une petite amie. C'est sérieux entre eux? J'en ai l'impression, oui. À toi aussi, ça te ferait le plus grand bien. Oui, oui, peut-être. Ah, au fait, dis-moi, où en es-tu avec la femme dont tu m'as parlé l'autre jour? Je crois que la fillette m'aime bien, mais sa mère... Tu t'es renseigné? Tu sais si elle vit seule? Je parlerai de mariage malheureux. Oh, ce genre de choses n'a jamais été un obstacle, bien au contraire. C'est la déche. Bon, faut que je rentre. Tâche d'être prudent sur la route. Carlos. Ah, oui. Ouais, papa n'en a carrément que pour elle à cause de sa cheville débile. Ce que ça peut m'énerver, je te jure. Maman, de toute façon. Oh, bouge pas, elle arrive. Maman! Bonne nuit, chérie. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. C'était ma mère. J'ai eu chaud. Je t'ai passé. Raccroche ce téléphone. Oh, je dois te laisser. Je suis désolée. À demain. Je t'aime.
Ça va, toi? Désolé, il n'y a plus de chips. C'est égal. Cette photo est nouvelle, non? Oui, je viens à peine de la retrouver dans le grenier. Tu lui ressembles, c'est fou. Elle était très jolie. C'est le plus gentil des compliments, Nina. Ça te fait quoi, je veux dire, de plus avoir ta mère? Je suis jamais seule. Je pense tous les jours à elle. C'est pour ça que je t'aime. Pour la façon dont tu parles de ce que tu ressens. C'est grâce à toi. C'est le plus gentil des compliments. Tu penses sincèrement ce que tu dis? Tu veux réellement savoir la vérité? Ouais. Je t'aime tel que tu es. Torture d'animaux, des milliers disparaissent chaque année. Oh, c'est génial, merci papa. Je connais bien tes goûts, mon trésor. Oh. Génial, c'est pas maman qui aurait acheté ce genre de truc. Oui, et tu sais pourquoi? Ah, oh, ça coûte trop cher, blablabla. Il faut parfois s'imposer des priorités, tu sais. Lucie, tu veux bien me laisser un peu avec ton père? J'ai lui parler. Oh, maman. Dépêche-toi, tu as sûrement plein de devoirs à faire. Allez, monte. Merci, papa. Salut. Que viens-tu faire ici? Je croyais simplement qu'on pourrait parler de notre divorce. Ah, très bien. Je t'écoute. Oh, bonjour, monsieur. Veuillez patienter un petit instant, je l'appelle. Tu pourrais garder la maison? La maison et les dettes. Je sais, mais dans 5 ou 6 ans, elle t'appartiendra. Et que vas-tu exiger de moi si tu renonces à cette maison? Que tu essaies de m'aider un peu plus à rembourser toutes nos dettes. C'est un bon deal. C'est un bon deal? Il te manque une case ou je rêve, c'est la meilleure? Tu fiches le camp en me laissant les 2 filles à charge et tu refuses de payer quoi que ce soit? J'ai besoin moi aussi d'argent, j'ai perdu mon travail à cause de toi et de tes bêtises. Tu plaisantes?
Ah, je vois. Tu veux m'anéantir financièrement? J'ai compris. Téléphone. Arrête un peu de fabuler, restons-en au fait. Je réponds. Je n'ai jamais pensé une seconde à t'anéantir. Je voudrais seulement ce qui me revient. Lucy Zeidel. Monsieur Mikkels. Oui, c'est Félix Mikkels à l'appareil. Madame Zeidel est là? Oui, un moment. Ah, merci. Je ne peux jamais parler raisonnablement avec toi. Maman, c'est un mec pour toi, je te le transfère en bas. Ah, un mec? Pas le mien en tout cas. Oui, je vous écoute. J'espère que je ne vous dérange pas. Je suis Félix Mikkels. L'homme au sac de gym, vous vous souvenez? Oui, c'est lui. Je tombe mal, non? Vous voulez que je vous rappelle plus tard? Oui. Non, enfin, vous pouvez me rappeler dans la soirée? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Alors, à tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. À plus tard. Oui. Au revoir. Jolie. Je vois que tu sais encore rougir. Mais tu rigoles. T'inquiète, ça ne pose pas le moindre problème. Bien au contraire. Waouh, t'as sorti ton super costard. Tu crois que je peux sortir comme ça? Bien sûr. Oui, j'avais oublié que tu pouvais avoir l'air aussi classe. Approche. Regarde, une fois arrivé à Perpignan, on pourra même pousser jusqu'à Barcelone si on veut. C'est à une centaine de kilomètres. Oui, je t'écoute. T'es drôlement nerveux. Moi, nerveux? C'est fou, je croyais que passé ton âge, on perdait plus la tête pour un simple rencard amoureux. C'est ce que je pensais à ton âge aussi. Tu vas la ramener à la maison, après dîner? C'est notre premier rendez-vous, t'exagères. Ça m'étonnerait. Quoi qu'il en soit, remarque, on pourrait faire un peu de ménage. Rien, c'est normal. Je voudrais surtout pas que tu rates une occasion pareille. Où c'est l'heure? Il faut que j'y aille. Hé, hey, papa. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fera franchement son petit effet, c'est clair. Quoi donc? Regarde ta poche, il y a encore le torchon. Oh. Non, pas encore. Mon ami ne devrait pas tarder. Très bien. Désolé, bonsoir. Salut. Ça fait longtemps que vous attendez. Plus d'une heure? C'est trop gentil. Ça me fait plaisir. Vous avez le bonjour d'Anton. Merci. Je le salue, moi aussi.
Merci. Merci. Vous vous êtes séparés pour quelle raison, tous les deux? Ah, pourquoi? Peut-être parce que nous avons passé beaucoup trop de temps à essayer de réussir notre mariage alors qu'en réalité, c'était déjà le fiasco. C'est absurde. Il m'a laissé tomber pour un mannequin qui ne mange que des yaourts maigres. C'est effrayant. Ce genre de femme. J'aimerais être plus mince, vous savez, moi aussi. Oh, je vous en prie, non. Oui, mais je doute d'y arriver un jour. Tant mieux. J'aime trop la bonne cuisine. Vous avez peut-être une préférence. Oui. Oui, mais malheureusement, elle est introuvable dans les restaurants. Ma grand-mère l'appelait le ciel et terre. De la compote de pommes et purée de pommes de terre. Ah. Pour moi, je vous avoue qu'il n'y a rien de meilleur. Tout gamin, je suis tombé fou amoureux d'une fille de ma petite école. Je lui apportais tous les jours des bonbons, mais elle s'en fichait royalement. Vous avez persévéré combien de temps? Ah, j'ai arrêté ce petit manège vers 12 ans. Votre femme, vous l'avez rencontrée où? À la fête de la bière un soir. Oui, on habitait alors Munich, on y faisait nos études. Malheureusement, j'ai vécu trop peu de temps avec elle. Elle nous a quittés il y a à peine 2 ans. Est-ce que vous savez jouer au bowling? Ça y est, vous êtes arrivé. J'ai passé une soirée de rêve, merci. Et moi, cauchemardesque. Je dois y aller maintenant et retourner à mes occupations. Merci pour tout. À bientôt, j'espère. Maman! Que faites-vous là? Anton a disparu. Comment ça a disparu? Je l'ai juste laissé un tout petit instant sans laisse et... Vous étiez où? Juste là. Anton! 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 Viens là, le chien. Anton! Anton! Ça ne sert à rien, il n'est pas là. Je ne comprends pas. Il ne s'était encore jamais échappé. Il se pourrait très bien qu'il soit rentré chez vous. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Mais non. Je parie qu'il est en train de faire la cour à une petite chienne. Ce n'est qu'un homme, après tout. Rien qu'à l'imaginer dans un laboratoire, ça me fiche la chair de poule, c'est affreux ce qu'ils y font. Astrid, ce sont des racontars, des histoires sordides pour faire peur aux gens.
C'est toi qui me dis ça, représentant médical, c'est étonnant. Oh, quelle connerie, ce truc. Tout ça à cause de cet imbécile de chien. Et les filles, où sont-elles? Et je crois qu'elles le cherchent par là. C'est tout l'effet que ça te fait, tu les laisses se promener toutes seules en pleine nuit. Je vais les chercher. Bien joué. Mêle-toi de ce qui te regarde et cherche Anton. 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 Comment ont-ils le cœur de les abandonner? Oh, c'est encore pire juste un peu avant les vacances. Les gens ne s'embêtent pas pour si peu, vous savez. Leur animal est subitement de trop, alors ils l'abandonnent. Et ils atterrissent ici? S'ils ont de la chance. Beaucoup se font écraser par les voitures ou finissent dans un laboratoire. Je pourrais vous en raconter là-dessus. Eh oui. Alors vous avez fait le tour de toutes les cages? Vous n'avez pas trouvé le vôtre? Et ça ne sert à rien de désespérer, courage. Nous l'aimions tous tellement, vous savez. Oh, j'aurais dû faire plus attention. Tu devrais être ravie d'être enfin débarrassée de lui. Danton, t'es complètement folle ou quoi? Oh, non, je parlais de Robert. Ah, dans ce cas, oui, il y a de quoi perdre totalement la tête. Non, tous les mâles de la maison m'ont laissé tomber. Oh, j'ai toujours pensé que ça finirait comme ça. C'était le destin. Tu veux autre chose? Seulement, c'est pas vrai. Faut que je change, Karine, sinon les mecs penseront tous qu'on peut absolument tout me faire. Robert était passé maître en la matière. Robert, j'oubliais. Il faut que j'y aille, la conciliation. Je te laisse régler, merci. Monsieur Fiedler à la 14. Monsieur Fiedler à la 14, s'il vous plaît. Sublime, cette tente. Laisse-moi essayer. Est-ce que vos deux matelas rentreront? Oui, ça devrait aller. Celui de Nina fait 1m40. Laisse-moi entrer. J'ai envie de partir avec Nina. Pourquoi ça? Parce que les premières vacances avec sa petite amie, c'est une chose inoubliable et si particulière. Ta mère et moi étions partis en Espagne. Quelle aventure! Raconte, vas-y. Une fois la tente montée, on est allé prendre une douche et lorsqu'on est revenu, la tente avait disparu. Il ne restait plus que les crochets et les piquets. On l'avait si bien montée qu'elle était partie avec le premier coup de vent. Et ça a été terminé, les petites vacances? Ah non. Tu rigoles ou quoi? Nous avons dormi à la belle étoile le reste du temps. Avec au-dessus de nos yeux la lune et à nos pieds la mer. Et tous les matins, au petit jour, c'est la Guardia Civile qui nous réveillait à grands coups de sifflet. C'était d'un romantique? Et comment? Je signerai jamais ce truc. C'est pas un contrat de divorce, mais une déclaration de capitulation. Que veux-tu de plus? Faire 50-50, ça me paraît très correct. Et tu voudrais que je paie pour une baraque où je ne vis pas? Peut-être, mais nous avons signé le prêt de cette maison ensemble. Il fallait vraiment que je sois idiot. Oui, comme moi. Robert, il faut faire une coupure franche, ne serait-ce que pour les filles. Arrête de me faire du chantage avec les filles. Du chantage? Tu plaisantes ou quoi? Tu peux folâtrer où tu veux avec le type que tu veux, je m'en fous complètement, mais te payer ton petit nid d'amour, ça pas question. Je sais que je travaille beaucoup trop. Ah oui? Et quand vas-tu enfin te décider à t'occuper de toi? Un peu de patience, je t'en prie. Je t'assure que dès que le Formadol sera mis en vente, tu sais le médicament dont je t'ai parlé, je passerai plus de temps avec toi. Je m'occuperai de moi. Et s'ils le mettent pas en vente? Ils le feront, je t'assure. Papa, comment sait-on ce que veulent les filles, ce qu'elles attendent de nous? Quelle question? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que Nina et moi, nous allons bientôt partir et... Et si ça devient sérieux entre nous, eh bien... J'ai peur de tâcher mon pantalon. Alors, je te conseille de l'enlever avant. Excuse-moi, je suis désolé. C'est très douteux comme blague.
Combien je vous dois? T'as encore rendez-vous, mais c'est pas vrai. Et si? Malheureusement, nous en reparlerons tout à l'heure. Je te le promets. Vous allez rester ensemble pour toujours? J'en sais rien, ma chérie. Pourquoi? Parce que je ne prédis pas l'avenir. Je sais le faire. Ah oui, et que vois-tu? Tu sais ce que je vois? Un cheval, tout blanc, avec une belle crinière. Et je te vois avec Félix dans un carrosse. Et moi, j'ai plein de fleurs dans les cheveux et une robe blanche super belle. Et c'est génial. Je vois que j'ai une immense et jolie chambre pour moi toute seule. Et Anton ne tardera pas à rentrer. Oui. Moi aussi, je l'espère, mon trésor. Est vraiment étonnante. Je tenais à tout prix à ce que tu la visites avant qu'un Richard ne la transforme en agence de publicité. Voilà. Si tu veux bien fermer les yeux, nous arrivons au cœur de la maison. Tu peux les ouvrir, c'est bon. Non. Purée de pommes de terre et de la compote. C'est pas croyable. Ça n'a pas été facile d'en trouver. Les bonnes grand-mères sont devenues sérieusement rares. T'es complètement fou, tu sais? Oui. Oui. Je suis vraiment désolé. Tu plaisantes, j'espère. Ça n'a rien de grave. C'est si étrange de me retrouver dans ce lit avec toi. Sonia et moi, nous nous sommes installés ici il y a 10 ans, avec des projets plein la tête. On pensait pouvoir décider de notre avenir. C'est complètement fou. Tu sais comment faire rire Dieu? En lui expliquant tes projets. Allez! Bjorn! Attends! Je suis en retard. Excuse-moi, j'ai fait au plus vite. Salut Nina. Bonjour, monsieur. Je vais essayer de trouver des places. Mais qu'est-ce qui te prend? Dès qu'une femme apparaît, tu perds tous tes moyens ou quoi? Oh, tu plaisantes? Comment oses-tu dire une chose pareille? Mais oui, je plaisantais. Je suis content que tu sois à nouveau amoureux. Tu en deviendras peut-être normal. J'essaierai. Fais attention à toi et veille sur Nina. Tiens, on aura peut-être besoin. Je sais pas ce que vous faisiez à mon âge, mais 2 paquets, ça devrait aller. Non, prends tout. Au revoir. Allez. Et téléphone de temps en temps.
Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je suis passé te voir. Il y a un souci avec les filles? Non, pas le moindre souci. Est-ce qu'Anton est revenu? Non, désolé. Ça signifie quoi? Notre contrat de divorce. Oui, je vois. Eh bien, je l'ai signé malgré tout. 50-50, comme tu le voulais. Qu'est-ce qui t'a poussé subitement à changer d'avis? Tu n'es pas au courant ou quoi? Au courant? Eh oh, Atterri, des numéros qui sont sortis. Notre date d'anniversaire. Avec le complémentaire? Avec tout ce qu'il faut, c'est de la pure folie, j'arrive pas à le croire! Je suis riche! Je peux garder ma maison! Et j'en reviens toujours pas! Tu te rends compte? Je rêve, passe-moi! Non! Et j'ai l'impression que la noire me convient mieux. Tu vas avoir besoin d'un garage? C'est évident. Je ferais faire un super garage avec porte télécommandée, le top. Un double, bien sûr. Mais tu sais, c'est pas extraordinaire. Oh, pour moi, si. Allez, roule, 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 roule. T'as carrément déjanté. Et j'offrirai celle-là à Astrid. Mmh. Avec un grand nœud rose autour. Oh mince, Astrid. Il faut vite que je lui apprenne la nouvelle. Moi, à ta place, je m'en passerai. Mais pourquoi donc? Chance partagée, c'est chance doublée. De qui est ce proverbe? J'en sais rien. C'est un vieil adage. Écoute-moi bien, le petit roi du loto. Hé hey. Depuis quand connais-tu cette dame? J'en sais rien, j'ai l'impression, depuis toujours. Et ça fait à peine quelques jours. T'es vraiment pas sérieux. Tu as la moindre petite idée de sa réaction face à cette fortune. L'argent, c'est le moyen d'obtenir tout ce qu'on veut absolument. Sauf deux choses, une bonne santé et une maîtresse désintéressée, mon petit vieux. De qui c'est? George Bernard Shaw. Mmh. C'est toi qu'elle doit vouloir. Et si la vie fait que tu deviennes, par hasard, un bon parti, disons que c'est un plus, c'est tout. Alors, pas de précipitation, tu veux bien? Là, tu m'écœures, tu es le pire des salauds. C'est pour l'argent du loto. Un moment, pas si vite, ma vieille, on se calme. C'est toi qui voulais qu'on fasse 50-50, mmh. Pas vrai? Je me suis plié à ta volonté. Fiche le camp d'ici, tu m'écœures. Très bien, je m'en vais. Oh, au fait, est-ce que tu as mon nouveau numéro de compte en banque? Ton nouveau numéro? Mm-hmm. Tu te réjouis trop vite. J'ai perdu le ticket du loto. Bien entendu, c'est ce que je dirais aussi à ta place. À bientôt, ma chère. Karine, essaie de te rappeler où tu as fichu ce satané ticket. Mais que se passe-t-il? Les numéros, cette fois, je les avais tous. J'ai besoin de ce ticket pour encaisser l'argent. Mais de quel ticket parles-tu? Laisse-moi réfléchir à ce que j'ai fait ou juste après. Je suis allée ce matin-là chez mon esthéticienne, j'ai déposé ma voiture au contrôle technique. Laisse-moi réfléchir. Je suis allée chercher des cigarettes, entre autres, et j'ai fait valider ton loto à ce moment-là. Et ensuite? Je m'en souviens plus. Je l'ai perdu quelque part ensuite, c'est sûr. J'ai jamais eu de chance. J'aurais pu enfin empocher une petite fortune. Et grâce à toi, plus rien. Excuse-moi, je suis désolée. Oh, c'est bon, tu deviens bénie. Astrid! Astrid! Voilà, monsieur. Merci. Voilà, mesdemoiselles. Bon appétit. Régalez-vous bien.
Dites-moi toutes les deux, vous ne mentiriez pas à votre père, j'espère? Bien sûr que non. Et si par exemple votre mère avait un petit secret? Tout dépend du secret. Tu peux t'expliquer? Tout dépend de la valeur du petit secret. Et mademoiselle, est-ce que vous voulez autre chose? Non, rien, merci. Oui, monsieur. Je dois faire gaffe à ma ligne. C'est trop tard, t'es énorme déjà. Toi, tu la boucles, sale fouine. Non, rien. Tu la boucles toi aussi, patate. Crapaud. Et vous allez arrêter maintenant, ça suffit. Vous entendez? Vous êtes sûres toutes les deux que votre mère ne fait pas semblant d'avoir perdu son ticket de loto? Pourquoi elle ferait ça? Pour m'anéantir. Je vois pas d'autre explication. Je suis affreusement désolée. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Monte, je voudrais qu'on en parle. Lâche-moi un peu, tu veux bien? Ne sois pas si têtu, s'il te plaît. Que veux-tu que je fasse maintenant, à part m'excuser? Je suis désolée. Ah, les bonnes femmes, toutes les mêmes. Je t'en prie, Astrid. J'ai fait la plus irréparable des choses et je comprends que tu sois furieuse contre moi. Mais parle-moi. À 10h au sauna et c'est toi qui paies. C'est génial. C'est parti. Vois le côté positif, j'en vois un moins. Oui, bien sûr. Tu peux me dire quelle mère sans boulot avec deux filles fauchées n'aimerait pas gagner des millions au loto? Oui, je sais, oui, mais Robert ne touchera rien. Ouais, c'est bien le seul truc positif. Si Anton revient à la maison, je ne te reparlerai jamais de ce ticket de loto perdu. C'est beaucoup d'argent pour un chien, je trouve. Non, pas Anton. Tu sais quoi? Je t'invite à la maison ce soir avec ton amoureux. Ah. Il n'y a pas de A qui tienne. À 20h. Je compte sur vous, d'accord? D'accord. S'il a le temps. Comment est-il, ton fameux Félix? Oh, ouvert, sensible, charmant. Tout le contraire de Robert. Est-ce que c'est un bon amant, dis-moi? Pas croyable. C'est fabuleux ce qu'elle a dans le ventre. C'est un vrai plaisir. Et toutes les nanas nous font les yeux doux, c'est génial. C'est à notre bagnole, pas à nous. Ah, le GPS, c'est vraiment trop. Et c'est pratique au possible. T'as plus rien à faire, plus besoin de réfléchir. Ça n'a rien de fantastique. Tu te fous de moi ou quoi? Vas-y, programme l'adresse d'Astrid. Ouais. Dans 150 mètres, prenez la deuxième rue à gauche et cherchez une place de stationnement car vous serez arrivé à destination. Grandiose, pas vrai? Tu peux le dire. Je suis sûre qu'il te plaira. Je n'aurais jamais cru que tu retomberais amoureuse. Oui, moi non plus, mais Félix est vraiment... Et il est ponctuel avec ça, mais où l'as-tu dégoté? De quoi j'ai l'air? D'une gamine crédule et amoureuse. Génial. Je me demande où je vous ai croisé. Dans l'agence de voyage où je travaille, peut-être. Je suis responsable des gros clients. Non, mon dernier voyage remonte à très longtemps. Je suis prête à parier que je vous ai déjà vu au tennis, peut-être. Laisse tomber, non. Il est à moi. C'est moi qui ai mis la main dessus. T'as raison, oui, mais je jurais pourtant l'avoir déjà croisé. Ça me reviendra. Un peu de vin? Oui. Le téléphone. Allez répondre, je m'en charge. Ah, excusez-moi. Oui? Ah, c'est toi. Que se passe-t-il? Oui. Bien sûr, sans problème. Oui? Oui, oui, je te rappelle. D'accord, à demain. Excusez-moi, c'était ma mère. C'est peut-être au restaurant Trattoria Toscana? Ça vous arrive d'y aller? Je suis désolé, mais... où sont les toilettes? Oh, c'est la deuxième porte sur la gauche. Est-ce que ça va? Ne t'inquiète pas, oui. Il ne supporte pas l'alcool, je lui ai enfin trouvé un défaut. Comment je vais m'en sortir maintenant? J'étais sûre de l'avoir déjà vu moi aussi, mais je ne savais pas où. Et quand son portable a sonné, c'est revenu tout d'un coup.
Et ça t'a sacrément secoué, toi aussi. Oui, c'est sûr. T'imagines. Très bien. Voyons ce qu'il en est. Ce loto, enfin, l'argent qu'il rapporte, ne t'appartient pas. Le fait est aussi que tu as besoin de cet argent. Sinon, je crois que tu peux faire une croix sur ta dulcinée. Il faut avouer aussi que garder cet argent alors que tu sais pertinemment qu'il appartient à la meilleure amie de ta compagne, il n'y a pas de quoi être fier. C'est carrément dégueulasse. Seulement, voilà. C'est pas dit que ce soit elle la gagnante. Mon sentiment, malheureusement, c'est que... C'est qu'il y a de fortes chances, mais rien n'est sûr. Mais... Avant de bouger, tu dois vérifier que c'est réellement le ticket de loto de cette femme. Et si c'est le cas? Eh ben... T'auras intérêt à te creuser la tête pour savoir si tu as vraiment les moyens de jouer les grands seigneurs. Eh oh, Astrid! Félix, quelle surprise! Je t'accompagne quelque part? Oui, d'accord. Où voulais-tu aller? Au refuge à côté, pour voir s'il n'aurait pas retrouvé Anton aujourd'hui. Je suis désolé pour hier. C'est à cause de moi ce qui est arrivé? Non, naturellement que non. Je me suis senti mal tout d'un coup, c'est tout. C'était sans doute trop tôt pour ce genre de réunion. Elle est drôlement vive, ton amie. Je voudrais pas être son ennemie, c'est sûr. Et alors, quelle maison? Elle a gagné au loto, quoi. Sa maison vaut une fortune. Karine jouait au loto. Quelle bonne blague. Pourquoi dis-tu ça? Tant que l'argent joué ne rapporte pas d'intérêt, c'est impossible. Ça peut devenir un placement très avantageux. Mais pour ça, faut-il encore gagner? Mais au fait, dis-moi, pourquoi poses-tu ce genre de questions? Juste pour savoir. D'accord. Je suis désolé pour ton chien. T'imagines pas les remords que je peux avoir. C'est ridicule, tu n'y es pour rien. Je sais bien, oui, seulement cette nuit, j'ai encore rêvé qu'il avait été capturé par un labo. Toutes ces histoires sont des sottises. À croire que ça n'existe pas, t'as entendu Rita tout à l'heure. Oui, mais pas chez nous. Ici, c'est le contraire, les animaux ont plus de droits que les êtres humains. T'as quelque chose contre les animaux? Non, absolument rien. Non, je suis seulement allergique à tous ces protecteurs d'animaux qui nous rendent responsables chaque fois qu'un clébard trop gâté est trop bête pour retrouver son chemin. Trop bête? Mon Anton, tu divagues ou quoi? C'est pas ce que je voulais dire. Les lois sont en réalité si sévères chez nous que chaque cas est étudié pour savoir si faire des tests sur des animaux est vraiment nécessaire ou pas, et pour que tous les laboratoires s'y tiennent. Arrête, là tu me prends pour une idiote. Tu sais que tous les laboratoires sont experts pour contourner les lois. Et tu sais aussi bien que moi que les résultats obtenus lors des tests sur des animaux ne représentent jamais pour l'homme un risque zéro. Je t'en prie, Astrid. Et pourquoi faut-il absolument avoir un énième bêta bloquant alors? Tu peux me le dire? Seulement pour toi, tous les moyens sont bons quand il s'agit de faire du fric. Arrêtons avec ces idioties, ça ne mène à rien, je t'assure. C'est vrai, tu as bien raison. Ça ne sert à rien, j'en suis consciente. Tu m'as aidé à chercher mon chien uniquement pour que je couche avec toi. Non, mais tu plaisantes, j'espère. C'est bon, qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Astrid, attends, là tu exagères. Toi, tu ferais bien de te taire. Qui êtes-vous? Qui je suis? Saclo. Comte Saclo. Regardez-moi ça. Très bien, j'en prends note. J'ai l'impression d'être Cendrillon. J'ai trouvé mon prince charmant et il m'a emmené dans son château. Cette action pourrait bien mener Rudy Marcus à la victoire. Quel punch aujourd'hui! Il se donne à fond. Il sait que sa carrière dépend de ce match. Son tempérament de revancheur est bien connu dans le métier. Regardez-le. Bjorn? Que s'est-il passé? C'est la plaie. Que s'est-il passé, dis-moi? Il fallait que je rentre. Je pouvais pas rester. Et où est Nina? Elle est partie avec un autre mec. Qu'est-ce qui lui a pris cet insensé? Je sais. En plus, tu sais la raison qu'elle a trouvée? Elle m'a dit que j'étais beaucoup... trop gentil, trop attentionné.
Rassure-toi, c'est un compliment. Je t'assure. Mais pourquoi ? Je refuse tout bonnement d'avoir affaire à des gens qui gagnent leur vie de cette façon. Seul l'argent compte, d'où il vient, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Anton aimait Félix, alors il peut pas être méchant. Tu veux bien arrêter ? Ce qui se passe entre Félix et moi ne te regarde pas, alors arrête avec ça. Si, ça me regarde. Maman a la trouille, elle se dégonfle. Oui, t'as raison. Vous dites des sottises. Mais même papa est d'accord avec nous. Je peux savoir ce qu'il vous raconte ? Il dit juste que tu t'aigris parce que tu trouves personne assez bien, c'est tout. J'ai parfois l'impression que la vie est une simulation sur ordinateur. Génial si on essayait un autre programme. Sans aucune femme ? Non, ce serait trop ennuyeux. Il nous faudrait un programme d'aide pour chacune d'elles. Nous expliquant les différentes problématiques. Énorme erreur, vous vous êtes planté. Vous voulez redémarrer le système ? Alors on efface le disque dur et il n'y a plus qu'à recommencer. Tu veux que je te dise un secret ? J'ai envie parfois de tout recommencer à zéro. On pourrait déménager ? Et partir à Berlin, par exemple. Loin de Nina. Je serais assez d'accord. Hé, hey, Anton, comment t'es venu ici ? Hé, hey, ça alors ? Hé, hey, faut croire qu'il est passé te chercher. Salut, toi. T'es venu me chercher, c'est ça ? Anton ! Mince alors ! C'est pas vrai, j'ai eu si peur. Oh, c'est pas gentil ce que tu nous as fait. Où t'étais caché, vilain? Ça me rappelle le sac de sport. J'en reviens pas qu'il se soit réfugié chez toi, c'est le comble. Chez un partisan de ces affreux labos. Là, tu abuses, tu ne crois pas? Ah oui? J'ai oublié, c'est vrai, le souci que tu te faisais pour Anton, mais... Mais quoi? Mais brosser un tableau en noir et blanc sans arrêt, les bons d'un côté, les méchants de l'autre, c'est franchement trop facile et ça m'énerve. Tu te fais des idées, toi aussi, peut-être ? Oui, peut-être. T'es un voyou. Mais maintenant qu'Anton est là, on pourrait peut-être faire... Comme si rien ne s'était passé, c'est ça ? Ben oui. On n'est pas tout le temps obligé d'être du même avis. Tu veux que je m'en aille ? Excuse-moi, s'il te plaît. Mais en ce moment, j'ai l'impression de perdre tous mes moyens. C'est vrai, je crois franchement que c'est... Tu n'as pas à t'excuser, je t'assure. C'est mon cas, moi aussi. Il va falloir que j'apprenne à nouveau à montrer mes sentiments. Et à m'abandonner sans crainte. Ça fait bientôt 2 ans que je me réfugie dans le travail. Alors, il ne faut pas t'étonner si j'ai perdu la main. Moi aussi. J'étais persuadée qu'il n'y avait rien de positif dans les querelles. C'est impensable, le besoin d'harmonie que j'éprouve, t'en reviendrai pas. C'est justement ce que j'aime en toi. Les diamants ne sont que de vulgaires cailloux à côté de toi. Arrête ou je finirai par le croire. Je n'y vois aucun mal. Si un jour tu changes d'avis, la déception sera terrible. Et elle a fini par se décider à me le dire. Voilà pourquoi je sais que le gagnant de ce fichu loto bosse pour cette société. Le seul truc qu'elle a refusé, c'est de me donner son nom. Elle n'a pas le droit. Oui, je sais, mais à toi, elle te le donnerait, non ? Je suis désolé, Robert. J'aimerais pouvoir t'aider. En souvenir du bon vieux temps, mais... Et t'imagines un peu le scoop que ça te ferait, hein ? L'arnaque au loto mise à jour par un journaliste de pointe. Non, pas question, vieux. Nos juristes me décapiteraient. Impossible. Nos lois là-dessus sont très claires. Le gagnant, c'est celui qui a le ticket. Basta. Pierre, j'ai besoin de ce nom. Fin d'effort. Ça ne te causera aucun ennui. C'est promis, juré. Maman, pourquoi cette date ? Bah, ça doit certainement être son anniversaire. Émilie. Lucie. Son mariage complémentaire.
5, 6, 8, 11, 12. Complémentaire 3. Oh Seigneur. Les numéros gagnants. Je ne voulais pas te réveiller. Je t'appelle plus tard. Je t'aime, Félix. Eros Center de Cologne, où est-ce que puis-je pour vous? Comment s'appelle ton amant? Oh, Robert, qu'est-ce que tu veux encore? Mikkels, Félix Mikkels? Oui, et alors quoi? Tu as vu l'heure, c'est fou ça! Je l'ai coincé, c'est lui qui a empoché ton loto. Drôle de nouvelle, non? Jackpot volé. Astrid? Je veux plus te voir jamais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Oh, Lucie. Ma chérie. Laisse-moi entrer, s'il te plaît, Astrid. Va-t'en, mon argent, tu peux même le garder. Je ne l'ai appris que ce matin en partant. Je voulais t'en parler, mais j'avais des rendez-vous. Astrid, je t'en prie, laisse-moi entrer. Tu veux un café, peut-être? Non, ça va mieux. C'est gentil. T'as besoin d'autre chose, maman? Je sais, un bon bain chaud. Tout va s'arranger, tu verras. On est là, nous. Pas trop tôt. Bjorn, c'est pas le moment de dormir. Allez, lève-toi. Oh, laisse-moi. Allez, debout, dépêche-toi. Ah, éteins cette lumière. Tu dois aller à l'école.
Je suis en vacances. J'étais parti et je suis revenu, rappelle-toi. Hein. T'es pas au travail, comment ça se fait? J'ai eu... T'as pas l'air d'aller bien? Je vais faire un peu de café. Dis-moi, Karim, qu'est-ce qui cloche chez moi? Dis-le-moi tout simplement. J'ai l'impression d'avoir une pancarte sur le front où il y aurait écrit « Profitez de moi, faites-moi mal, je suis maso, j'aime ça ». Tu as peut-être joué de malchance ces derniers temps. Je comprends rien à tout ça. Je croyais apercevoir enfin le bout du tunnel. Ça a été très dur quand Robert est parti en me laissant toute seule. J'ai pleuré des nuits entières et un jour je me suis dit « D'accord. Maintenant tu vas te relever, ma fille, et te débrouiller toute seule. Apprendre à vérifier tes niveaux, bricoler, changer un pneu et enfin devenir grande et forte et ne jamais plus laisser ton bien-être dépendre des 15 petits centimètres d'un mec. » T'es sacrément flatteuse, hein, c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, je sais changer une roue. J'entretiens sans aucun souci la voiture. Je n'ai pas laissé cet odieux licenciement m'affecter et je n'en reviens pas. Mais tu sais ce que je ne sais toujours pas. Quand je regarde un chien tout de suite, je sais s'il est gentil ou méchant. Mais pour les bons hommes, je n'arrive jamais à voir derrière le masque qu'il porte, c'est fou, non? Je n'aurais jamais cru que Félix était un horrible salaud comme les autres. Comment voulais-tu qu'il sache qu'il s'agissait de ton billet de loto? C'est pareil qu'il le sache ou non. Non, ça change tout, au contraire. Bonjour, Madame Zeidel. Bonjour. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Je t'attends ce soir dans notre restaurant à 20h. Ah oui, d'accord. Merci. Je comprends qu'elle réagisse de cette façon, tu sais. Je croyais que tu comprenais pas les femmes. Que penses-tu faire de l'argent? Je vais le lui rendre, bien entendu. Mais je sais pas comment le faire. Elle refuse de me parler. Dépose-lui simplement devant les pieds et on se tire ensuite à Berlin. Vous êtes certain de vouloir retirer toute la somme? Oui, bien sûr. Est-ce que vous connaissez nos nouveaux taux d'épargne? Nous sommes les meilleurs. Oui, je les connais.
Astrid, s'il te plaît, cet argent, c'est le tien. Pas du tout. L'argent de ce loto appartient au propriétaire du billet. Je ne savais pas que c'était toi qui l'avais joué. Je suis pressée, Félix. Certaines personnes comme moi ont besoin d'un boulot pour s'en sortir. Pourquoi compliques-tu sans arrêt les choses? Laisse-moi réfléchir. Peut-être parce que j'ai une vision trop naïve de l'amour? Peut-être aussi parce que je viens d'ouvrir les yeux et que je me sens utilisée? Ou peut-être aussi parce que je n'ai tout bonnement plus envie de faire confiance à des gens qui ne valent pas le coup? D'accord, très bien. Tu ne veux pas de cet argent et je n'en veux pas non plus. Alors je le pose ici. Quelqu'un le prendra et en profitera à ta place. C'est pas la seule. Je vais te plumer. Oh, papa! Où ça? Hé! Hey, rends-moi ça, sale voleuse! À moi de jouer maintenant. Rue Royale, c'est chez qui? Chez moi! Oh, 20 000 encore, toujours génial! Ouais. Voilà. Hé, hey, c'est pas tout, allez! Si tu me faisais crédit pour changer. Pas question, t'as encore plein de fric. J'adore ce jeu, j'en perdrai mon latin. C'est franchement étonnant. J'ai rêvé toute ma vie de gagner une fortune et aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Non, mais tu délires. Allez, file-moi l'avenue Foch. Allez. Oh, c'est pas marrant, je la voulais. Eh oui, crapaud, on n'a rien sans rien. Oh. Vous voyez, l'argent donne mauvais caractère. Quand on a du fric, le seul truc important, c'est un bon conseiller financier. Tu veux que je t'en présente un? À toi. C'est ridicule. Tu peux y aller, prends les dés. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'es bourré d'argent. Une vie sans soucis s'offre à toi, c'est pas beau ça? Alors où est le problème? Tu ne sais plus ce que tu désires. Moi aussi. Et je ne pense qu'à ça. Je le crois pas, c'est insensé. Je vous donne son nom, je vous raconte les faits et vous êtes incapable d'agir. Oui. C'est sans doute regrettable, mais le règlement de la société de l'auto est très clair. Nous ne pouvons absolument rien contre M. Mikkels, désolé. C'est totalement injuste. Mais légal. C'est pas moi qui fais les lois. Et le contrat? Le contrat que nous venons de signer pour le partage de la communauté. M. Zeidel, officiellement, tous les gains du loto ont été attribués à cet homme. Je sais, seulement ma femme a une liaison avec lui. C'est un coup monté, vous comprenez? Ça, c'est encore une autre histoire. Seulement, cette soi-disant petite fortune n'entre pas pour autant dans la communauté. Il s'agit bel et bien de l'argent de cet homme. Désolé, mais vous n'avez aucun droit dessus. On ne peut alors absolument rien faire. J'en ai l'impression. Est-ce que votre divorce est tout à fait inévitable? Elle te plaise? Depuis quand tu m'offres des fleurs? Ça m'arrive. Tous les 12 ans, ton dernier bouquet remonte à la naissance d'Émilie. Et j'étais pas très attentionné, je sais, oui. Alors voilà pour me faire pardonner. Bon, allez, d'accord. Avec une petite amie si jeune, il faut certainement de l'énergie pour deux. Astrid, j'ai mis Marley à la porte hier soir. Je sais que ma place est ici, auprès des enfants et de toi. Pardon? Astrid, veux-tu rester ma femme? Je suis sûr qu'on peut repartir à zéro, tu sais, en faisant un petit voyage ensemble, ce genre de choses. Ah. Mmh. Oui, je vois, ça y est. Compte pas sur un seul centime, tu peux faire une croix dessus. Sois patient. 4 heures exactement, les enchères commenceront. Notre présence est obligatoire? Non. Je peux terminer tout seul?
Non, ce serait pas gentil. J'espère qu'on va toucher le paquet. Mais oui, t'inquiète, ça couvrira nos dettes. Il se pourrait même qu'il nous en reste un peu. Peut-être qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Tout recommencer. J'ai vraiment essayé. Seulement voilà. C'est à Astrid qu'il faut le dire, t'entends? Mais elle refuse de me parler. Et alors, tu veux quand même lui dire, non? Comment j'ai fait pour avoir un fils aussi génial? T'emballe pas à tiers pour rien, j'ai les gènes de maman, c'est tout. Viens par ici, voyou. Bonjour, monsieur Hubert. Regarde, tu la ramènes, ok? T'es trop débile, tu sais. Hé, hey, salut Anton. Hé, hey, Félix. Salut Émilie. Tout va bien? Est-ce que tu passeras quand même me voir? Émilie, tu peux me laisser un instant? Viens, mon vieux, je crois qu'on est trop. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sois gentil. Je suis seulement venu pour te dire au revoir. On va s'installer à Berlin. Oui. La villa va être vendue aux enchères. Et de toute façon, maintenant, qu'est-ce qui me retient ici? Je regrette beaucoup que ça n'ait pas marché. J'aurais tant aimé qu'on y arrive tous les deux, tu sais. Voilà, je pense avoir tout dit. Non, enfin presque. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, tu sais. Ouais. Fais attention à toi. Bonne chance. J'oubliais. Jamais de régime, d'accord? Pour Anton. Des plus grandes jambes que moi, c'est pas juste. Astrid? La façade aurait besoin d'un sérieux coup de peinture. C'est au nouveau propriétaire de le faire. Oui. Ce serait pas mal en jaune. C'est plutôt excitant, une vente aux enchères. Quelle couleur préférerais-tu pour notre chambre? Jaune? Bleu, alors? Mauve? Sale. Rouge. Rouge, rouge, rouge. Elle est super, cette baraque. Absolument magnifique. Si bon numéro. Et mon Superman. Viens, faut pas les déranger.